Bonjour et bienvenue à ce sixième chapitre de Lightroom si on jouait. On va regarder enfin un peu plus en détail les développements que vous m'avez proposés. Donc je vous ai demandé de voter, j'ai corrigé un peu les votes parce que certaines personnes s'étaient trompées et avaient mis plusieurs fois le même numéro de la photo. Et à la fin ça me donne une espèce de classement, comme je dis c'est pas un concours, mais ça me donne une tendance et on va essayer de regarder les premières photos de cette tendance et essayer de vous les expliquer. Donc je vous rappelle que l'original c'était ça, d'accord? Et voilà ce qu'on a comme première photo. Alors cette photo elle est intéressante, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées. On voit par exemple que la personne a utilisé les courbes de tonalité, vous voyez. Je vais arrêter les courbes de tonalité et je vais les remettre. On voit que donc la personne a utilisé ça pour contraster un peu plus son image. Ça se voit ici, c'est une courbe un peu en S. On voit également que des choses ont été faites au niveau du TSL, puisque si je le retire et que je le mets ici, on voit au niveau de l'herbe, c'est légèrement différent. Donc on va aller voir un peu ce qui a été fait également. Vous voyez qu'au niveau de la saturation, la personne a décidé de désaturer certaines couleurs, d'en saturer un peu plus comme le bleu. D'accord ? Il a joué aussi au niveau de l'illuminance. Donc là, on a eu un peu de travail à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi le vignettage qui a été utilisé. On le voit ici, d'accord ? Vous voyez qu'il y a un peu de vignettage sombre qui a été mis au niveau de la photo. Mais le plus correction de l'objectif, je ne sais pas si... Non, il n'y a rien qui n'a été fait à ce niveau-là, en basique non plus. Par contre, il y a eu le profil de correction de l'objectif et l'aberration chromatique pour les bords. Ça peut être intéressant pour éviter des espèces de petits traits qui pourraient apparaître lors du développement. Mais sur ce truc-là, les deux parties, je dirais, les plus importantes, on va les retrouver au niveau des filtres, ici. C'est-à-dire que je vais virer le filtre qui se trouve là, d'accord? Vous allez voir tout de suite la différence. Donc, on va le virer, voilà. Et donc ça, c'est tout le travail sur le ciel, d'accord? C'est un filtre simplement qui a retiré de l'exposition pour que le ciel soit plus sombre. Alors, pourquoi il n'est pas appliqué sur l'église? Simplement parce que dans Lightroom 6, maintenant, vous avez un truc qui s'appelle le pinceau, et vous pouvez comme ça décider de retirer des zones. Alors, vous voyez, je vais aller dans le pinceau, ici, c'est comme le pinceau de retouche, ici, mais maintenant, il est directement intégré au niveau du filtre. Et vous voyez que vous pouvez, bah, avec un plus, remettre de l'effet quelque part, et si j'appuie sur Alt, il y a un moins qui apparaît. Donc c'est exactement comme le pinceau, allez voir le cours sur le pinceau, vous comprendrez comment ça marche. Donc ça, c'est ce qui a permis, j'appuie sur O pour retirer, la visualisation du filtre, c'est ce qui a permis de traiter ce ciel. Et ensuite, si on va dans le filtre radial, ici, vous allez voir qu'il y en a quelques-uns, et c'est des filtres qui réexposent un peu, et c'est ça qui amène cette espèce de luminosité là sur l'herbe, qu'on retrouve ici également. Là on le retrouve ici, mais c'est juste sur un petit bout, et on a aussi un petit coup de boost sur la chapelle avec un peu plus d'exposition. Ça, ça donne un peu l'effet qu'on a le soleil qui passe au travers des nuages et qui vient éclairer l'herbe. Donc c'est plutôt bien vu, c'est une retouche qui a utilisé beaucoup de techniques. On va s'arrêter là pour celle-là, on va passer à celle d'après. Celle d'après, c'est une retouche un peu plus naturelle. Alors, on voit déjà ici que ça a été redressé. Donc si on va dans manuel, là, on voit ici que c'est redressé. Mais ce qui est intéressant, la personne a utilisé le truc aspect, justement pour que la largeur de la chapelle soit pas trop grande. Je vous rappelle que ce truc aspect permet de travailler sur le rapport largeur-hauteur. D'accord, vous voyez. Donc là, en redressant ça, on va dire... ça élargit un peu la chapelle, et grâce à ce truc aspect, là, on peut revenir à quelque chose de plus naturel. Ensuite, on voit qu'on a un traitement un peu particulier ici, au niveau du toit ou de la pierre, les oranges ressortent un peu plus. Donc là, si vous allez dans TSL, vous voyez en effet qu'au niveau de la saturation, l'orange a été mis énormément saturé, c'est ce qui permet de donner cet effet sur le toit, en gérant, les couleurs de manière différente. Et on a, comme pour l'autre photo, ici, un traitement avec un filtre dégradé, où l'église a été retirée du filtre, voyez, et c'est ça qui a permis, en baissant l'exposition, en baissant le contraste, en baissant les hautes lumières, en augmentant la clarté, de donner ce ciel-là. Ok, pour celle-là, c'est les points, on va dire, principaux du traitement. Si on va maintenant sur celle-là, celle-là est assez intéressante parce que la personne a voulu donner l'illusion que le ciel était là un peu sur la droite, un ciel couchant. Alors on va voir comment ça a été fait.
c'est fait avec des filtres dégradés. Donc en fait, on a un filtre dégradé ici. Et vous voyez qu'ici, j'ai le jaune qui est monté à 27. C'est ça qui va donner cette impression orange ou qui va refroidir, qui va réchauffer. D'accord ? Donc c'est ça qui donne ce petit truc-là. On a ensuite au niveau du ciel un truc pour retirer de l'exposition sur le ciel pour qu'il soit un peu plus, on va dire, visible et touffu. Et par contre, la personne a poussé, je dirais, le vis, entre guillemets, à rajouter ici un petit filtre pour éclairer la façade. Et la même chose ici pour éclairer le haut, car en effet, si le ciel se trouve à droite, ces parties-là doivent être un peu plus claires. Donc ça, c'est la grosse partie de ce traitement-là. C'est toujours fait avec ces filtres. Celle-là, vous voyez qu'elle est un peu orange. Alors, on va déjà regarder. Je pense qu'il y a un traitement du ciel de la même manière. Voilà, vous voyez, on a un traitement du ciel de la même manière. Toutes s'en sont sorties avec, j'irais, un filtre et un traitement du ciel un peu particulier en retirant avec le pinceau l'église. Là, en fait, on se retrouve avec ce coloris un peu orange simplement parce qu'au niveau du réglage de base, la personne a changé la balance des blancs. La balance des blancs initiale doit être à 5007. Il suffit de double-cliquer ici sur le curseur. Et ça, c'est la balance des blancs originale. Et la personne est allée la mettre à 6000 quelque chose. C'est ça qui va rendre cette photo un peu jaunâtre et qui donne un peu ce style à la photo. Ensuite, on a, pareil ici, quelques filtres pour travailler un peu plus sur la structure de l'église. D'accord ? Et là, celui-là doit être fait pour ressortir un peu les ombres au niveau de la fenêtre pour que ça soit un peu débouché. Donc ça, c'est le point, je dirais, important de cette photo. C'est cette balance des blancs qui a été décidée volontairement un peu orangée. Là, on arrive à un noir et blanc. Alors, est-ce que d'abord, c'est un vrai noir et blanc? Oui, c'est-à-dire que là, le noir et blanc est coché. Donc, la personne, ensuite, est allée régler ses différentes couleurs ici dans le mélange noir et blanc. D'accord? Elle a choisi de mettre le rouge plus blanc. Il y a différentes choses, hein, différents choix qu'elle a pu faire. Ensuite, on se retrouve avec différents filtres. Là, on se retrouve avec un filtre ici. Alors, la personne là n'a pas utilisé le pinceau. Elle a mis le filtre, comme vous pouvez le voir, d'un côté. Et puis, elle en a mis un de l'autre là. Donc, c'est ça qui va dramatiser un peu les deux ciels. On voit d'ailleurs qu'éventuellement, on pourrait le corriger un peu pour qu'il soit plus parallèle comme ça au mur et que le haut ici soit moins sombre. Et il faudrait le bouger un peu vers là. Voilà, pour éclairer un peu plus. Et ensuite, la personne a utilisé des filtres radials, ici, pour éclairer un peu plus le toit, ici, et au niveau aussi de la photo. Alors là, c'est un filtre qui va sous-exposer, non pas la partie à l'intérieur, mais la partie à l'extérieur. Puisque vous voyez qu'ici, inverser le masque n'est pas coché. Si j'inverse le masque, c'est l'intérieur qui est affecté. Si je décoche, c'est l'extérieur qui est affecté. Donc la personne, en fait, a réussi à travailler sur son ciel avec ces deux techniques. Un filtre radial pour, on va dire, obscurcir tout ce qu'on avait autour. Et ensuite, éventuellement, deux ou trois filtres pour rattraper. Vous voyez, celui-là, il est surexposé pour rattraper cette zone qui a été sous-exposée par celle-là. Et donc la personne a fait des choses et ensuite a fait d'autres touches locales pour les annuler. Donc voilà ce que ça donne comme, image. Ensuite, si on regarde celle-là, alors celle-là, je me disais, mais pourquoi j'ai une gouttière qui est colorée comme ça et pourquoi j'ai un ciel bleu? Ben, c'est très simple, hein, regardez ici ce que la personne a fait au niveau du module TSL. Elle a sursaturé son bleu, elle a sursaturé son bleu vert. Donc le bleu vert, ben, c'est la gouttière et le bleu, c'est le ciel. D'accord? Et si je le mets normal, voilà ce que ça donne. Tandis que si je les mets comme ça, c'est là où j'ai réussi à ramener un peu de bleu dans mon ciel. C'est, je dirais, ça qui donne le point principal. Ici, j'ai également un filtre radial pour, pas un filtre radial, un filtre dégradé pour rendre le ciel un peu plus structuré en baissant l'exposition. Est-ce que j'ai du filtre radial? Non, par contre, sur celle-là, je n'ai pas de filtre radial. Alors, celle-là, moi, j'avais dit, j'aime pas trop parce que c'est tout gris ici. Et d'ailleurs, on voit que c'est un choix, ce tout gris, parce que si on prend le filtre radial, là, vous voyez, le contraste est à moins 100.
volontairement pour griser cette zone-là, hein, si je retire ici le filtre radial, vous voyez que j'ai plus de contraste ici dans le ciel. Alors, comment ça a été fait ce gris un peu sur toute la façade? Mais en fait, ça a été fait avec une courbe. Si vous allez dans les courbes, alors on va déjà faire terminer là, voilà, et on va aller dans les courbes de tonalité. Et vous voyez, si je retire la courbe de tonalité, voilà ce que j'ai, et avec la courbe, eh ben, en fin de compte, la personne a baissé ici tout ce qui est niveau intermédiaire, et c'est ça qui a créé ce gris. Celle-là, beau noir et blanc, il y avait pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. On a déjà au niveau TSL pas mal de réglages, hein, puisque c'est un noir et blanc, un vrai, ce n'est pas... Alors tiens, d'ailleurs, sur le coup d'avant, chose importante, c'était un noir et blanc en baissant la saturation. Et si on regarde la personne ici, au niveau du panneau TSL, d'accord, alors on va se mettre comme ça, on voit que la personne a travaillé ici sur les saturations. Alors, ça sert à rien. À partir du moment où vous avez mis la saturation ici à moins 100, vous pourrez travailler sur les saturations du panneau TSL, il ne se passera rien du tout. Donc ça, à mon avis, c'est un essai qu'elle avait dû faire, et puis ensuite, elle a baissé la saturation complètement. Revenons à celle-là. Donc celle-là, c'est un joli noir et blanc, et on regarde qu'il y a un virage un peu particulier, c'est-à-dire qu'on voit ici, sur le bas, c'est plutôt bleu, et là, sur le haut, c'est plutôt orange. Donc on va aller vérifier ça avec le virage partiel, et on voit en effet qu'en haute lumière, on est plutôt dans le sépia, tandis que dans les ombres, on est plutôt dans le bleu. C'est ça qui crée cet effet un peu particulier. D'ailleurs ici, si je mets le sépia, vous allez voir tout de suite la différence, et là, j'ai vraiment une image sépia, tandis que si je prends du bleu, ça fait un peu cet effet différent au niveau de l'image. La dernière ici, donc on a un ciel qui est très très bleu. Comment il a été fait? Mais en fait, on va aller regarder ça. C'est un filtre gradué, et vous voyez ici que la température a été excessivement baissée. Alors, pour rendre ça bleu, vous voyez, si je le mets en normal, c'est comme ça, et là, ça a baissé pour rendre ça beaucoup plus bleu. Une fois qu'on a fait ça, la personne, elle a fait quoi derrière? Elle est allée dans le panneau TSL, d'accord, et elle a descendu la valeur du bleu au niveau luminosité pour rendre le ciel un peu plus structuré. Mais elle s'est rendue compte aussi qu'en faisant ça, le bleu devenait très très bleu. C'est pour ça qu'ensuite, elle a baissé la saturation. Et si je mets la saturation normale, voilà le bleu que ça donne. Donc en fait, elle est partie de ça, elle a dit « Allez, je vais baisser le bleu ». Elle a dit « Hop, 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 ça devient trop bleu ». Et à ce moment-là, elle a baissé la saturation du bleu pour redevenir à quelque chose de normal. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'était reprendre le filtre ici, qui était là au début. D'accord. On aurait pu dire « Je le rends moins bleu ». D'accord. Et ensuite, en allant là, on n'était pas forcément obligé de baisser la saturation. On baissait simplement ici le niveau du bleu. Là, on voit qu'il y a eu un redressement aussi. Elle est un peu arrondie. Donc, à mon avis, si on va dans la correction de l'objectif, oui, il y a de la distorsion qui a été corrigée aussi. Mais un peu trop, là, elle est un peu arrondie maintenant. Donc, écoutez, voilà, on doit être à peu près dans les 15 minutes. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, j'ai trouvé ça assez génial de recevoir tellement de développements différents et de voir surtout, je dirais, que chacun a sa propre idée. Je vous remercie encore, et puis ben, on essaiera de faire un autre jeu comme ça une autre fois. Au revoir.